Bonjour, mesdames et jeunes demoiselles. On va faire un live sur de la rancaine sur Rainbow Six Siege. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? On va tout de suite partir dans une première partie, dans une première étape qui est l'échauffation. C'est-à-dire que quand tu commences sur Rainbow Six, ce n'est pas possible enfin de commencer Rainbow Six et de partir en ranked de façon conjoncturelle. C'est-à-dire que tu pars et que tu reviens pas. La chasse aux terroristes, c'est génial. Elle n'a pas besoin de la Kong avec ses lunettes. Eh mais tu me moques. Non, tu me moques. T'es coquin. Oh, oh, petit coquin. Je suis un membre agréé de la, du provisorat de la Sunti Academy. Ah, ah, on me tire dessus. Ouais, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Hop, vous avez vu ce que j'ai fait? C'est très malin ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il est venu m'agresser. Pour diverses raisons qui le motivent, il est venu vers moi. Mais moi j'ai pas eu peur du printing et j'ai balancé ça. C'est une boule qu'on voit plein d'autres boules lumineuses. Du coup, comme c'est mon copain Sitcat, il y a toutes les filles qui sont contentes. Et j'adore les filles. J'adore les femelles. Et de toutes formes. Il peut y avoir. Il peut y avoir des femelles de toutes formes. Ça me fait baver. Dès que je parle de filles, ça me fait baver. J'aime bien les filles. Je les trouve adéquates. Elles aiment ça. Elles aiment ça parce qu'elles sont. Elles t'aiment pas parce qu'elles sont un peu cochonnes. Mais pas trop. Mais c'est un peu des cochonnes. Non, mais j'aime bien les cochonnes. Je trouve ça rigolo. Ça a changé le logiciel de surveillance. Qu'est-ce qui a changé ça là? Je suis perdu là. Ah si, c'est bon. Ok, non, mais douce. Me réponds pas déjà. Okay. Hein. Fais pas chier. Attends, je regarde. Est-ce qu'on a le son ou pas? Est-ce qu'on a le son? Il peut y avoir une copine. Ouais, c'est bon. Une fois, il peut y avoir une copine. Oh, faut que je vous raconte. Envoie-nous dans la salle de sécurité. Ça me fait baver rien que d'en parler. Hein, je fais des cours vidéo. Je fais des cours vidéo qui vous apprend à bien. Mais si t'es une fille, je fais le cours de façon gratuite. Si ça t'intéresse. Si t'aimes, franchement, si t'aimes bien rigoler, partager des émotions intenses avec moi, je dis oui. Non mais ça arrive. Ça arrive même au moyen de faire la bagarre en façon terroriste et de perdre. Moi ça m'arrive beaucoup. L'important c'est d'être prêt au moment où il prend la... Bah, c'est officiel, mais je suis obligé de me faire aider, vous vous rendez pas compte. Et c'est l'armée du salut, la Salty Academy ici. Pendant que je faisais le geste, t'as vu? J'ai fait le geste et je suis mort. Bonsoir. C'est très agaçant. C'est mon copain. Bonsoir. Bonsoir copain. T'es là? J'ai dit que t'étais mon copain. J'aurais expliqué que t'étais champion, que t'étais très fort. Et que tu faisais pas. Avec le pistolet. C'est comme ça que t'as gagné. Je ne peux pas, j'ai du mal à vous regarder. Quel est votre prénom, monsieur? Mais c'est moi Philibert. Mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, dites donc, et c'était peut-être pas plus mal. Mais vous avez changé de campus. Moi, j'étais resté dans les caves. Je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas de bruit là-haut depuis une semaine et quinze. Je pense que j'étais perdu. Je suis pas sûr. Là, je réapparais, je vois de nouveaux locaux. C'est bien, c'est joli. Ça me plaît beaucoup. Et du coup, par rapport à Rainbow Six. Bah je suis agréé professeur, non? C'est toi que... Si? Je suis agréé professeur de... Je suis ton copain. Mm-hmm. On a gagné la première. Alors, pas que je me rappelle, bizarrement. Mais si, on a fait la chasse. Ah non, je vous assure. On a fait les chasses aux terroristes ensemble, on a gagné, tu m'as dit, c'est bien, c'est champion de Pro League. Et j'ai rigolé, j'ai fait, oh mais... Et après j'ai fait avec le pistolet.
Vous avez un truc qui coule. Est-ce que c'est possible au moins d'essuyer ça? Non, c'est parce que je suis content. C'est de l'excitation, parce que j'ai parlé de ma sœur et de cet été. Est-ce qu'il y a un semblant de... Vous connaissez Mary, du coup, Philbert? Qui ça? Mary. Ah, parce que c'est comme ça qu'il faut leur parler, en fait. Hein. Je me suis muté. Mais en fait, okay. Il faut essayer de leur faire comprendre quand même qu'il y a une autre personnalité, quoi. Vous connaissez pas? Moi, vous savez, dans le monde de l'e-sport, je connais pas. J'ai une limitation de la connaissance. D'accord, ok. Donc ça va bien se passer. Mais on ne pourra partir en enquête qu'à partir du moment où vous se serez essuyé la bouche, quoi. Hein, on va s'essuyer la bouche, et puis on va faire un gros rototo, hein, aussi. Et puis on va partir en enquête, hein. Je fais un rototo. Ça va. Quelque chose qui veut sortir, c'est pas ce que c'est. Ouais, je sais pas ce que c'est, non mais si ça pouvait rester à l'intérieur, c'est pas très grave, hein. Franchement, c'est pas obligé de sortir, hein. Vous inquiétez pas. Et je me présente, Iskade, proviseur de la Salty Academy, champion du monde, mais... beau gosse, oui, et modeste. Oui, t'es mon copain. T'es copain, à mon avis. Non, on est pas vraiment copain. Copain, ça voudrait dire qu'il y a un vrai lien entre nous, et j'ai pas envie qu'on... Des fois, on a joué... Déjà, j'ai envie que tu fermes ta gueule, déjà, quand je parle, parce que ça va m'énerver, je vais t'en coller deux, ok? Hein, donc déjà. Ensuite, voilà, donc jamais de violence, hein, c'est important. Et du coup, tranquille quoi, hein, c'est tout. Et va falloir vraiment essuyer ce menton. Si vous avez quelque chose qui coule au niveau du menton, je ne sais pas ce que c'est un fluide. Ne faites pas ça. Je suis obligé. Ah, ça me donne envie de vomir. Renvoie-moi dans le bureau. Renvoie-moi dans le bureau. Non mais c'est bon là, c'est bon. J'assure. Non mais t'es enfin. Non tu ne viens pas là. Non. Vas-y. Ouais, oh. 2 minutes. Les gens ne respectent rien. Ça me fait roter en plus. C'est dingue. C'est attends mon casque. Hop. Bonsoir mesdames et messieurs. Mary, c'est toi? Bah oui, c'est quoi? C'est pas le pape, hein. Il est con lui. Est-ce que t'as pris tes pilules? Les petites pilules les rouges. Bleues que... Non, c'est les rouges. Non, les rouges, je ne les prends plus. Elles agressent le visage. Je n'aime pas ça. C'est très désagréable. Ouais, mais... De toute façon... Attends, je t'entends pas. Attends. Je me suis coincé la lunette dans l'œil. Je crois que mon œil va ressortir. Non, c'est bon. Prends la pilule rouge. Vaut mieux que ça agresse ton visage que nos oreilles. Attends. Ok. Nettoie mes lunettes, excuse-moi. Non, je t'en prie, vraiment. Prends ton temps, ça va bien se passer. Prends tes petites pilules, en revanche. Ouais. Je sens qu'il peut y avoir une rechute. Non. Non, une rechute de quoi? Une rechute de cheveux, connard? C'est ça se concerne, toi, les rechutes de cheveux? Hein?